Peu après 13h30, la cagnotte a atteint plus d'un million d'euros grâce à près de 37 000 contributeurs. C'est vrai, Junior, c'est magnifique. Oui, Flynn. Oui, c'est magnifique. SauveWalterWhite.com. Je vais parler de ton site à tout le monde. Non, attends. Tu demandes pas de l'argent, Junior. Si, si, c'est bien ça l'idée. Oui, il faut reconnaître que ça n'est pas très moral. Walt, on est là à discuter alors qu'on a la réponse sous les yeux. Faut vraiment vous faire un dessin? Non, j'ai compris. Vous vous dites que je devrais blanchir mon argent sur le web grâce à mon fils? Des zombies. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un type Jean Redman. Il vit chez sa mère dans un sous-sol en Biélorussie. Non, 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 pas question d'extrader ces bonnes grosses fesses russes, oh là là. Non, non, c'est un hacker-cracker extraordinaire. Ce gars-là entrera dans n'importe quel terminal, où que ce soit dans le monde. Il les transformera en zombies qui lui obéiront. Par exemple, il se débrouillera pour que 25 ou 30 000 petites donations soient versées en provenance de tout le pays et du Canada. 10, 20, 50 dollars à chaque fois, toutes payées cash de façon discrète et intraçable. La... Non, je l'ai gagné, ce million, moi!